Mais dites-moi, c'est quel genre de petit trou du cul ça? Non mais il faut m'expliquer. Maëva, ça fait 100 ans qu'elle nous dit qu'elle part à Dubaï. Mais en plus, j'en ai reçu plein de messages comme ça. Mais elle part jamais. Mais vous croyez que quoi? Moi, quand je vais à Dubaï, c'est pour emménager là-bas. Vous croyez que quoi? Qu'ici en France, je n'ai pas de vie. Je vous rappelle qu'on m'a volé mon sac à main, que dans mon sac à main, il y avait mes papiers d'identité, ma pièce d'identité, mon permis de conduire. Alors moi, je vais emménager dans un nouveau pays, mais j'attends pas de recevoir mes nouveaux papiers. Que changer de vie du jour au lendemain, changer de pays, changer de continent carrément, ça se fait comme ça en claquant des doigts. Alors oui, au début, je voulais le faire précipitamment, mais en fait non, il fallait que j'arrange des choses dans ma vie, que je récupère mes papiers, que je gère des trucs dans ma vie ici à Marseille avant de faire mon déménagement. Donc oui, je vais partir vivre à Dubaï très bientôt, dans ces prochains jours là, très très rapidement, je pars m'installer à Dubaï. Maintenant, même si, quand bien même, je change d'avis, en fait, quel est votre problème? Quel est votre putain de problème? Vous voulez pas vous mêler de vos petits culs pleins de cellulite? Hein, c'est pas mieux? Pour les gens comme ça me saoule, surtout de bon matin. Aujourd'hui, je vous le dis, je me suis pas levée du bon pied. Je me suis levée, j'ai les couilles à l'envers. Et les gens comme ça, ils me mettent encore plus, ils me les retournent de l'autre côté, les couilles. Déjà que j'en ai pas.